La musique adoucit également les mœurs politiques. Le nouveau ministre de la Culture et de la Francophonie, Jacques Toubon, pratique de ce point de vue la continuité. Il célèbre lui aussi la fête de la musique créée par Jack Lang en 81 et exportée aujourd'hui dans 78 pays. Elle est destinée à saluer l'arrivée de l'été. Jacques Toubon a choisi d'être ce soir à la Butte aux Cailles, dans le 13e arrondissement de Paris. Ça n'est pas tout à fait un hasard. Non, c'est pas. Mais vous savez, à la Butte aux Cailles, on faisait de la musique bien avant qu'on fasse la fête de la musique. Donc je crois que c'est un juste retour des choses d'être pour cette 12e fête de la musique à la Butte aux Cailles. Bon, l'ambiance qui règne autour de vous montre bien que nous sommes en direct dans le 13e arrondissement de Paris. Alors, quelle musique allons-nous entendre ce soir à Paris, mais aussi dans toutes les villes de France, Jacques Toubon? Moi, je vais entendre toutes les musiques en réalité. Ici, on a la musique populaire. Ensuite, je vais aller au podium, place de la République. Je vais aller écouter du rock en banlieue. Et puis, j'irai écouter l'orchestre de Paris au Palais Royal et les chœurs de l'armée française aux Invalides. Donc, vous voyez que c'est éclectique et c'est en fait toute la musique. Alors, toute la musique, toutes les musiques, on voit bien dans les musiques que vous décrivez une dimension universelle. Est-ce qu'il n'y a pas, Jacques Toubon, comme une contradiction entre cette dimension universelle de la musique et le repliement de la plupart des nations, y compris la France, sur elle-même? Non, je crois que la musique est un langage universel et je pense qu'elle peut justement parfaitement contribuer, à réaliser entre les nations cette compréhension qui est nécessaire. C'est aussi une des dimensions de la fête de la musique. Alors je vais manier le paradoxe, Jacques Toubon, on parle de la dimension universelle de la musique, mais parlons un instant de la chanson française. Là je m'adresse au ministre de la francophonie. Est-ce qu'à votre avis la chanson française, qui se porte bien en France, est menacée dans le monde? Non, je crois que la chanson française peut se porter très bien. La preuve, regardez ce que Johnny Hallyday a fait. Johnny Hallyday, c'est un chanteur français, il y en a bien d'autres. Et je suis persuadé que nous pouvons exporter notre chanson. Et c'est un des buts de notre politique, c'est d'essayer de faire en sorte, effectivement, qu'il n'y ait pas que la chanson anglo-saxonne dans le monde. Mais aussi, il faut bien comprendre que la musique, c'est un échange. Et la musique anglo-saxonne, elle est aussi notre musique à nous. Merci Jacques Toubon. On va se rendre...